C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. On part en Pologne parce que c'est moins cher, on part en Roumanie parce que c'est moins cher, on part en Slovaquie parce que c'est moins cher. Ils ont une logique qui est vraiment simpliste et qui mettent en œuvre depuis 30 ans. Si on les laisse faire, ils iront jusqu'au bout. Faut pas séparer l'écologie et le social parce que c'est la même bataille. Ils raseront les forêts, ils pressureront les roches, ils confondront les pôles, ils noirciront l'Alaska, ils videront les mers des thons, des baleines, des sardines. Ils solderont les banques avec leurs prêts, ils solderont les routes, les îles, les jardins publics aux plus offrants. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Ça fait 30 ans que ça dure. Ça a été d'abord le textile, la chimie, l'ameublement, la métallurgie. Même les chips ont quitté la Picardie. Comment ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire? Notre principal adversaire tous les jours autour de nous, c'est l'apathie politique. C'est ce sentiment de résignation, de fatalisme, qu'on n'y peut plus rien. C'est en fait un vaste sentiment d'impuissance. Vous êtes convaincus que vous ne pouvez rien faire. C'est ça le problème. La sécurité sociale à 100%, le SMIC à 1 500 €, les hausses des petites retraites, la fin du travail détaché, les embauches dans l'hôpital et dans l'éducation, le revenu maximal et ainsi de suite. Il va falloir que tout ça on le conquiert. Ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire. Tenter, braver, persister, persévérer, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire libre, tenir bon.